Bienvenue chez MTGQ. Aujourd'hui, regardez la boîte. Et oui, c'est le Flip Box Return. On a tellement aimé ça la première fois, puis on s'est dit que nos auditeurs aussi ont dû aimer ça. Que même si on n'a pas pogné le montant pour acheter une autre boîte en échangeant les cartes au magasin, on allait quand même recommencer l'expérience. Et voici l'expérience. Puis sans plus tarder, on va reprendre la même formule, c'est qu'on décrit pas les cartes, on va juste aller chercher les rares et les mythiques et les foils qui ont de la value. On a toujours notre même liste, qui a probablement varié les prix, mais là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'entre la journée que je vais en magasin, la journée qu'on fait le montage pour le prix des cartes et la journée qu'on fait le box opening, les prix, ils varient beaucoup. Puis là, ben, c'est normal parce qu'on est en train de regarnir la version standard de Magic. Donc, chaque nouveau set, chaque nouvelle carte, ben, c'est des ajouts. Fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche là? Vraska Foil? Boom Whisperer, Assassin's Trophy, mais Vraska. On l'a pas pogné encore, celle-là. Pas de Vraska, à peu près l'équivalent de 4 boîtes. Ouais. Pas de Vraska. C'est ça. C'est... Toutes les autres cartes, pas de Vraska. Sans plus tarder, c'est parti. Cache-les pas, moi. Hein? Oh, Spell Collector, ça commence bien, ça commence bien. On va se le dire, les autres boîtes, c'était pas fameux ce qu'on a voyé. Non. C'est pas une couche. On est. Oh, yeah! Bon, ben, on va pouvoir faire deck. Là, il s'excite. C'est même pas la plus chère du set, elle est même pas faite. Non, on en avait besoin pour faire un deck dans notre série Monarch. On aurait pu l'acheter en magasin. Il y en a qui vont nous dire ben oui, on aurait pu, mais j'achète déjà assez de cartes de même. Je trouve, j'aimerais ça poigné dans des paquets. Thief of Sanity. Moi, on dit que j'aime le bleu et noir. Je sais pas, on dirait que les dessins sont plus méchants que les autres cartes. Non, fait qu'on fait-tu une autre danse pour un Doom Whisperer tantôt? Bounty of Might. Ça, c'est la plus chère encore? Doom Whisperer, ouais. En date d'aujourd'hui, c'est encore la plus chère. Watery Grave, oui. Pas mal un meilleur start. Que la dernière boîte. Ah, c'est une foil, mais... C'est juste un petit, ouais. Ouais, les foils, là, c'est pas ce que ça a été. On s'en est parlé un peu, justement, moi et mon collègue, là, la dernière fois, on a fait notre flip à la première boîte. Après, on s'est mis à jaser un peu, là. Puis, les foils, là, jadis, les foils, le début des foils, celles qui curvent tout seul, là, dans les sleeves, là. Il y en avait pas mal moins. Puis, c'était pas mal plus cher que certaines éditions, puis il y avait du foil, il y en avait. Mission Briefing. Il y en avait beaucoup. Là, on dirait que, coudonc, il y en a moins. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Là. Bon, une flip. Une flip. Pas bon. Ah, ouais. Avec ce genre de sou. Un bon board wipe. Que nous sommes ménagés. On avait ouvert la dernière boîte avec ça comme première carte, un gros somme ménagé. Deuxième mythique, Arclight Phoenix. Ça semble avoir pris un certain élan. Oui. Moi qui aime le rouge parce que ça coûte pas cher. Oui, non, une mythique foil ou une rare foil. Ça, c'est une commune. Hey,
Assassin's Trophy! Bien meilleure boîte! Bien meilleure boîte! que la dernière fois. Jusqu'à là. Oh oui, jusqu'à là. On est net. Ah ben, je retourne au magasin demain. Blood Operative. Risk Factor! Pour moi, demain, je débourserai pas une scène. On va négocier. Non, mais là, s'il y en a qui nous dit, qui se disent, « Ben, mais ils ouvrent des boîtes. Sont-tu commandités pour ouvrir des boîtes? » Coudonc, Chromatic Lantern. Non, pas en tout. Pas encore, en tout cas. Non, pas encore. Pas encore. On fait ça de notre... Mais, là, tantôt, on en disait. Moi, on était joué standard un peu. C'est conciliation travail, famille, hobby. Hobby monétaire. Les Magic, c'est pas gratuit. C'est pas comme jouer au Monopoly, hein? Monopoly, t'as rien besoin d'un jeu pis t'es correct. Mais... Fait que là, ouais, ça... ça... fait que, une grosse bébite. Mais en tout cas, fait que là, on s'est dit... J'ai pas vraiment le temps, là, d'aller jouer, d'aller rejouer. J'aimerais ça, puis standard, ben, c'est pas mal ça qu'on va viser dans mon cas personnel. Oh, non, t'as pas autant, mais... Fait que, j'ai dit, on... Mon collègue ici présent m'a suggéré d'attendons un peu. On n'a pas le temps de se repointer vraiment en compétition standard d'ici au prochain set qui rentre dans le standard. Quoi, la suite qui devrait être un petit set là, de 104. Non? Un gros set? C'est à peu près l'équivalent. Ah ouais? Fait qu'ils font. Les 5 autres guilds. Ah ouais? Mm-hmm. Autant de cartes. Ok. Bon, ben écoute, on va en avoir des reprints à un moment donné qui vont sortir. Puis, c'est ça, fait que je dis, on va attendre un petit peu. Fait que là, dans le fond, on s'amuse, on flippe des boîtes, puis moi, les cartes, là, regarde, on a plein de belles cartes que je pourrais bien garder. Mais quand je serai rendu à me refaire un deck standard, je prendrai les cartes que je veux, et uniquement celles que je veux. Oh, Temple Garden, deuxième laine. Ouais, je pense que celle-là. Il faut se dire aussi que les prix ont majoritairement augmenté. Pas toutes, mais majoritairement augmenté. Les araignées, c'est jamais bien. Non, quand je vois une araignée, c'est une carte de Magic en vert, là. Ça va en prendre un! Wizard, faites-nous donc un spider qui en vaudrait vraiment la peine. Ah! Oui. Stinkin. Pas clair, un déco. Ah. Aïe, j'ai juste vu une ou deux fois, il est même pas proche d'être rare. Non, on n'a pas... Ah, ouais. Thousand Year Storm. Celle-là, tu sais. Oui, dans le bout de la liste. Dans le bout de la liste. Oui. À moins qu'elle devienne populaire la semaine prochaine. Ce qui m'étonnerait. Pas capable de le jouer. Pas capable de le jouer. Ça veut dire qu'il y a de quoi de bon là-dedans. On va regarder mon dernier. Oh, fallait que j'en parle. Oui. J'ai une rare folle qui. Ben, gros, Castinka, j'aime pas ça, surtout 3-3. C'est Niv Mizzet. Ah, mais il y a quand même une mythique dans le même paquet. Underrated Lich. Underreal, underrated. Ah, le montage, on est bon, là. Celle-là. Montage, flip. Celle-là. Puis... Flip. Ouais. Là, pour notre auditoire, là, écrivez-nous donc dans les commentaires. C'est quoi que vous voudriez voir qu'on essaye de flipper, là? Si on est capable d'aller chercher le prix d'achat en retour, ça nous intéresserait de l'essayer. Hein? N'importe quoi, là. Ben. L'Ursa Saga, je sais pas, là. Je sais pas, je vais en trouver une qui a pas été contrefaite, là. Ce serait pas une boîte d'alliance, je Non, non, mais tu sais, on me dit Iconic Master ou Eternal Master ou.
Modern Master 25, pas Modern 25. Master 25. Master 25. Dites-nous qu'est-ce que vous... Dites-nous, on va regarder ce qui est possible. Ionize. C'est celle-là, le booster qui était pas ouvert. Ça. Oui. Une autre foil qui est commune. J'ai un secret. Deux paquets. Beast Whisperer. Et le dernier paquet pour aller chercher. Non. 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 Gates Forum. Bon, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Non, ben. On va voir ici, là. Part ici, là. Ça va nous donner combien? Tout ça, mais ça avait eu un bon départ, puis je pense que, comme dans bien des sports, t'as un bon départ. Ça va bien. Fait que, on vous revient avec un calcul, puis on va voir hey, si... Hey, t'en manques une, là? Oui, il y en manque une. Oh, il en manque une. S'il y aura une prochaine boîte. Et voilà, peut-être. Moi, je dis que... Ici, là. Ici. On va faire des maths, ça va être plus facile. Ouais, OK. Hey. Ciao! Salut!